c'était la guerre. J'avais quitté la France, les flots amers en Orient m'ont transporté. Hélas, peut-être j'aurais plus le temps de voir la France, car cette odyssée était remplie de dangers. Hélas, peut-être j'aurais plus le temps de voir la France, car cette odyssée était remplie de dangers. Dans la nuit sombre, le convoi s'avance, bien escorté par les destroyers. Dans sa plongée, le sous-marin était en attente. S'il l'avait pu, nous aurait torpillés. Dans sa plongée, le sous-marin était en attente. S'il l'avait pu, nous aurait torpillés. De sur le sol brûlant de la graisse, nous des vaisseaux, nous avons débarqué. Le chaud soleil nous a brûlé la tête, le paludisme nous a décimés. Le chaud soleil nous a brûlé la tête, le paludisme nous a décimés. Dans la tranchée, il a fallu y descendre pendant 3 mois sans être remplacé. Dans la Tcherna, l'Albanie ou la Vardara, j'ai combattu les Turcs et les Bulgares. Dans la Tcherna, l'Albanie ou la Vardara, j'ai combattu les Turcs et les Bulgares pendant 20 mois. Je n'ai pas revu la France, des permissions, fallait pas y songer. Pendant 20 mois, j'ai connu la souffrance, les privations, un mal ravitaillé. Pendant 20 mois, j'ai connu la souffrance, les privations, mal ravitaillé. Beaucoup de nous n'ont pas revu la France. Ils sont tombés dans ces lointains pays. Mais quant à moi, qui en ai eu la chance, j'en ai gardé un triste souvenir. Mais quant à moi, qui en ai eu la chance, j'en ai gardé un triste souvenir.